ce qui m'a dit, vous nous inconnaissez, même si aussi terrifiant, même si aussi dramatique, ça, ce virus-là, donc, cela venait vraiment dans nous la main. Hein. Je veux dire, ce survie vraiment dans nous la main. C'est-à-dire que plus nous pas respecter Manjess Boyer. Les gestes Boyer mangent extrêmement bien, hein. Littéralement, ça se trouve vraiment au niveau de nous la main. Extrêmement faire attention quand nous posons nous la main, extrêmement faire attention avant qu'ils nous manipulent nos figures, ça va nous entrer là, ça va nous repisser le nez, les yeux, la bouche, qui nous a le réflexe, qui nous servit, nous gèle l'hydro alcoolique, ou ça qui nous lave nous la main comme il faut. Vous rendez compte que la surface de sa virustale est composée de lipides, c'est-à-dire de la graisse, et que, aussi terrifiant qu'il peut apparaître, mais la graisse, mais autour d'elle, c'est avec savon, c'est avec gel hydroalcoolique. Donc, vraiment, l'avenir se trouve entre nos mains. Il vous dépend comment nous mettons en avant de Vanille Barrière. Lave-nous la main, garde-nous une distance et surtout, pas oublier porte nos masques. Extrêmement important. Et puis, le reste, ben, avec la vaccination, avec le temps, vous connaissez. Pendant longtemps, ben, bientôt 20 ans, qui me travaille dans le domaine du VIH. Et mon cause à où la grippe russe, mais c'est intéressant aussi, vous connaissez que la situation du SARS coronavirus 2, il rappelle-moi beaucoup du VIH-Sida. Donc, comme tu commences à travailler au début des années 2000, donc nous tenons vraiment l'impression que le VIH-Sida, mais c'est quelque chose d'extrêmement terrifiant. Nous, tu fais comment à gagner accès à un médicament. À l'époque, tu prends 20 médecines par jour. Tu as beaucoup de monde qui fait mort en Afrique, surtout, et même à Maurice. Et aujourd'hui, 20 ans après, extrêmement important, c'est vrai, nous pouvons avoir un vaccin par rapport au VIH, mais on peut vivre sans problème avec le VIH. Une sorte de 20 médicaments, aujourd'hui, tu veux dans tu peux avoir une seule médecine. Et on vit très bien avec, sans problème. Donc, vous devez donc me convaincu, donc m'adopter une position scientifique, me convaincu que nous, mes camarades scientifiques, je travaille tous les jours d'arrache-pied et me convaincu qu'avec le temps, pour y en encore un des autres vaccins qui peuvent tomber. Par exemple, là, je trouver un Institut Pasteur qui travaille ou un vaccin au niveau nasal. Me pensez, il pourrait probablement être sous une forme de spray. Parce que vous connaissez le virus, là, quand il logit, premièrement, il logit au niveau rhino, c'est-à-dire au niveau du nez, avant qu'il descende dans la gorge et éventuellement dans le poumon. Donc, si vous attaquez d'emblée au niveau du nez, ben, vous pourrez, il va vous faire ou non, asymptomatique, ou ça, vous pourrez aussi symptomatique, ça veut dire que vous avez très peu de symptômes dès le début, ou vous finissez à taper. Donc, nous vous êtes garde en tête que ce n'est pas la première fois qu'il nous passe dans une situation de pandémie. Et quand vous voyez, comment me dire, quand vous voyez l'histoire de l'évolution de la pandémie, finit toujours arriver un moment quand la pandémie éteint. Mais en même temps, il y a une pandémie, nous, un an, nous, deux temps, hein, une pandémie qui nous dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, et aujourd'hui, avec le progrès de nos camarades scientifiques, me convaincu qu'il peut arriver un moment. D'ailleurs, moi, presque optimiste qu'au deuxième semestre de 2021, vraiment, me penser, nous commençons à trouver l'effet de herd immunité. Vraiment, nous pouvons commencer à trouver surtout des...